Zombie Apocalypse. Bonjour à tous les gamers, on se retrouve sur Jesso Gaming pour la suite de Dragon Age Inquisition. C'est un petit moment que j'en ai pas fait, donc je suis dit, bah allez, on est reparti. Hein, je sais. Alors, dernière fois, je vous avais laissé devant l'Astrarium, là, ici. J'en avais bien chié à la faire, mais j'ai réussi. Et du coup, comme vous pouvez voir, elle est activée. Voilà. Je vais aller faire un tour vite fait sur la carte. Alors moi je ferai bien tout ce qui est là en fait, tout simplement. Bon après il y a un campement là, mais autant passer par là quand ça découvre. Et puis puis on va aller là, voilà, tout simplement. Hop là. Par contre, il faudra que je me penche sur la question du cheval. Ça pourrait être vraiment intéressant de savoir. Pourquoi je n'arrive pas à changer mon cheval maintenant? Ok, j'ai eu un peu peur, mais bon, c'est pas grave. C'est parti des aléas du direct, comme on dit. Allez, c'est parti. Allez. En plus, ça commence sur un beau temps magnifique. Et hier j'ai deux DLC Dragon Age qui sont mis en route, qui sont installés. Donc normalement vous allez pouvoir voir des nouveautés du jeu. Alors attendez, est-ce que je suis en train de chercher en même temps? Où est-ce que je dois aller? Je suppose que c'est là. Ah, la personne. Me dites pas que c'est encore tout plus là-haut là-bas. Si c'est rien, ça va pas être là-haut, là-haut. Oh la vache! Moi, on aura un beau point de vue, hein. On a un beau panorama. Hein. Y'a rien à dire là-dessus. Allez, c'est parti. Voilà, bon, je vais essayer de moins galérer que la dernière fois. Ça devrait pas être mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, tac, tac, tac. Essayez, hein, de toute façon. C'est en essayant qu'on saura. Mais on va recommencer, c'est pas grave. Si vraiment je galère, je fais une ellipse au pire, mais c'est pas grave, on va remonter sur le cheval. Ah, c'est un peu la misère quand même, ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Là. Eh ben non, eh ben non, il manque pas la ligne en bas. Franchement, c'est pas évident du tout de faire ça. Et non, pas du tout. Ça.
Toujours pas. Bon, je peux choper une ellipse. J'ai vraiment pas le choix. Ils n'ont même pas besoin d'ellipse. Trop forte. En fait, voilà, c'est le moment que je dis faire une ellipse que ça motive. Inconsciemment, bien entendu. Voilà, ça c'est fait. Hop, on ira là. Putain, la tempête est déchaînée quand même. Alors. Ah, ils sont costauds les chevaux quand même. Putain, ils sont costauds. Ya ya ya. Allez, on est reparti. Motivé, motivé, motivé. Ah là, j'ai une grotte. Pardon, je vais y aller après. Parce que si c'est une grotte qui m'emmène de l'autre côté de l'île, comme ça m'est déjà arrivé la dernière fois. je préfère la faire après. Ça, je suis sûr d'avoir fait l'astrarium ici. Ça m'arrange pas ce que j'ai vu. Je vais y aller tout doucement en mode je ne vois rien, je n'ai rien vu. En mode je ne vois rien, je n'ai rien vu. Non. Ça, on s'est bien sorti. On a commencé les petits dragonneaux, on s'est pas non plus attaqué à grand chose. Mais bon, c'est quand même assez chaud, hein, je trouve. Hop. Donc là, ça va vraiment être un épisode spécial Astrarium. Mais il manque ça. Pas grave. Essayez gentiment. Vous savez comme j'aime bien galérer tout le monde. J'ai l'habitude de galérer. Je suis à fond dedans. Ça a raison, j'ai tellement pas envie de passer 3 heures là-dessus. Allez. Ouais, mais non. Mais non, ça marche pas comme ça. Hop, hop, hop. Hop. Tac, tac. Hop, qui redescend. Qui redescend. Qui remonte, qui redescend. Mais ouais, mais non. Ça marche pas comme ça. Je vais commencer de là, on va essayer. Tac, 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 tac. Là. Je vais pas retourner au milieu, qui redescend là. Qui va là. 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 Qui retourne là. Lui, qui va là. Là,
l'instant, je suis pas mal. Pour l'instant, je suis pas mal. Non, je suis très mal barré parce que du coup, il faut que tu reviennes là pour faire la barre. Ah là 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 là. J'aime pas les trucs comme ça. Plus de tête, plus qu'autre chose. Eh. Non? Si? Si? Voilà! Ah bah voilà! Je galère, mais au moins j'y arrive! Tristesse. Alors. C'est une faille? C'est une faille ou pas? C'est une faille. Merde. Donc on va y aller. On va faire un peu de combat parce que les Australiens c'est bien. Mais c'est un peu chiant. Je vais aller en voir ce qui bouge. Je vais aller voir ce que c'est vite fait et après on va aller descendre ça. Alors. Tu vois, ça va pas d'habiter ici. Je suis bien personnellement. On est reparti. Ah ouais, c'est le truc avec les crânes. Allez, je comprends. Fragment, voilà. Alors, hop. Là, nous avons un autre. Et là, le troisième. Voilà. Les éclats, voilà. Chercher le mot. Hop, revendiquons. Un truc à lire que je n'ai pas relié. Ok, c'est cool, c'est cool, normal. Ouais, c'est tout en fait. C'est tout, c'est tout. Allez, on est reparti. On va faire la faille. Et c'est dire que si je commence à diaboliser ma vie comme ça, pas très intelligent de ma part. Attaquer ma cible et avancer. Petite grenade. Ah ouais, je m'en vais pas trop en fait. Vous voulez du fight? En voilà. Voilà. Putain, la vache. Oh la vache, a piqué. Piqué, c'est piqué. Tu vois un peu la faille. Ouais, je me tire, on est bien, on se penche. Ouais. Voilà. Et voilà. Bon alors, on a géré ou pas? Franchement, moi je dis oui. Franchement, on a bien galéré, on a bien chié, on a bien réussi. On a pris quoi de potions, je crois à peu près. Comme ça. C'est pas énorme. J'ai connu bien. Alors, on va appeler notre cheval là, qui est là. C'est quoi une pêche tranquille. Alors, on a parti. Par contre, je sais pas s'il y a des cornes. Ça va pas être mal. Qu'on aille se reposer.
Là, le but. On va regarder jusqu'à quoi. C'est galoper jusque là-bas. Parce que je n'ai pas envie de me fighter avec des dragonneaux. Surtout, je sais très bien que on va perdre puisque on a quasiment pas de vie. Non, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Putain. Tu la foutre. Je peux plus la manger. Aïe. Ah, c'est la grotte le con. C'est moi qui ai fait de la merde encore. Donc il reste 5 îles fidées, 5 armes fusées. Bon, je sais plus quoi. J'ai pas le temps de jouer. Le temps de voir. Anime China, s'il te plaît. Ah, d'accord, c'était vraiment la grotte en fait. Bon, je voulais gérer. Non, je vais pas la mettre là. Parce que... Je vais mettre la frais. Je vais pas la mettre pour un truc dans le futur. J'espère qu'on va pas dire souvent. Dorian, allez-moi ça s'il te plaît. Merci Dorian. Là-bas nous avons de l'herbe en fuseau, donc il en fallait. C'est plutôt cool. Là nous avons un petit trésor. Ok. Dorian pour l'instant, que c'est lui qui va allumer. Qui va allumer les lumières. Voilà, quand même, j'ai galéré à le faire allumer. De grands garçons, c'est cool. Allez, hop. Ce texte avec tout ça. Alors là, il y a un truc aussi à l'envers. Vie, il doit y avoir quelque chose à faire, mais quoi? C'est encore une bonne question. C'est encore une très bonne question. Parce que là, il y a ça là-bas. Je ne vois pas trop quoi ça correspond.
Hey, c'est pas grave. Y a pas de problème. Non, mais je vois vraiment pas ce qu'il y a à faire. Un truc qui est sûr, c'est qu'ils aiment pas courir dans la grotte, hein. Putain, avec tout ce que je me prends sur la gueule depuis tout à l'heure. Pas du tout. Terre plein, c'est des crocs d'araignées. Enfin un peu d'humidité. En fait, il y a deux sorties. Je fais du bien. Si je fais du bien, et non, bien voilà. Si on vient de là, on a été là. La grotte, ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi? Éclat, éclat, éclat. D'accord, ok, donc ça n'a rien à voir. Vous voulez une grotte, explorer la grotte, d'accord, c'est là. Il y a un camp là. On va aller se rejoindre au camp et ensuite on va aller voir la grotte. Du coup, je pense que je vais peut-être ouais, rien du tout. Je voulais aller vendre, mais ça fait chier de partir pour vendre. Parce que le campement des Sariens, il n'y a pas peut-être quelque chose là-bas aussi. Que faire? Que faire? Hop, je vais chercher les éclats, on va aller après là-bas. S'il y a pas mal de choses à récupérer et que je n'ai pas de place, pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. On va faire ça bien. Comme là, c'est très mal ce que je fais. Que de la merde. En allant dans la grotte, j'aurais forcément une sortie. Pas qui sont du tout. Thank you.
ces cas, c'est déjà beaucoup moins chiant. Ça. J'allais dire putain, il était casse dessus là. Et ne relève pas. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les trois éclats et je vais vous laisser après. Et comme ça, au prochain épisode, on ira ensemble à la ville. Et on ira ensemble à la ville et que faire d'autre plus. Si, aller à la grotte. Chercher ce que le Strarium a débloqué. Le deuxième, je prends de l'herbe en fuseau longtemps, je sais pas où j'en suis. Herbe en fuseau au long 2. Et c'est pour un beau jardin. Après, il me manquera juste l'elfidé. Il manquera 5. Ah ouais, il y a le géant aussi. Passer en scrap. Je suis pas là. Ouais, non, non, non. Mais vas-y là. Voilà, genre je suis pas là. Parce que moi le géant, franchement, non. J'ai pas envie de le taper, hein, clairement. J'ai pas envie d'en prendre plein la gueule, hein, donc on va la jouer sage. Où est-il? En haut ou en bas? Ah, c'est la tour en bas. On va être en haut là-bas. Alors, on va prendre là. On va monter. Et il doit être par là. Voilà! Trop facile. Pierre du serpent. Donc voilà les gamers, je vais vous laisser là, avec une vue magnifique sur le géant en question. En espérant que le gameplay vous a plu, en espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt sur GSO Gaming.